Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur le Forest Éboulé comme tous les mardis. Donc du coup la dernière fois on avait continué à ramasser du bois et j'ai perdu la souris. Hop. On avait ramassé du bois et on avait continué à charger le camion. Donc là on va finir de décharger le porteur. Normalement l'autre côté, hop, x3, je vais voir, est-ce que il nous reste du bois à ramasser? Je crois qu'il me reste un tas. Il faut croire que non. Donc a priori, ouais, il me semble que j'ai tout ramassé. Donc du coup, on va finir ça. Hop. Le Joy qui ramène son cul par là. Tac, tac. Hop, on enlève les sangles. Et puis bah c'est parti. Et j'ai toujours pas réglé mon joystick. Comme d'habitude. Hein. On va pas changer les bonnes vieilles habitudes. Merde. Bah, moi je commence bien aussi. Tiens, hop. Alors ça c'est peu plausible que ça arrive jusqu'au bout. Oups, peut-être fait un peu trop là. Oh, ça devrait aller. Hop. On va essayer de choper le petit bout et le foutre de côté. Nickel. Hop, on va le mettre par là. Je le récupérerai à la main après. Merde, on va essayer de faire des conneries. Hop, c'est bon. Tac. Voilà. Normalement, je dois avoir encore un peu de place côté. Ouais. Hop. Donc, du coup, mon casque, évidemment, il est quasiment plus de batterie. Je l'entends chanter depuis un quart d'heure. J'espère qu'il va tenir le temps de la vidéo, au moins. Ouais, sauf que je vois pas du tout ce que je fais, donc merde. Hop. J'ai moyen de mettre les trois derniers au milieu. Ça, celui-là sera que là, il sera chargé. Et on n'a plus qu'à charger le dernier. Hop. Donc si de toute façon, de manière si vous m'entendrez toujours vu que le micro est indépendant du casque, donc pire que j'entendrai pas ce qui se passe dans le jeu. Donc ça va être silence radio pour moi. Le pire des cas, c'est pas vrai. J'en ai pas un qui s'est cassé la gueule là. Oh, de toute façon, là, c'est
un cure-dent, celui-là, juste. Hop, on va essayer de le ramasser sans faire de dégâts. Ah si, j'en ai un qui est tombé entre le porteur et le... Celui-là pour le ramasser, mais non. Alors, il est où son copain? Hop! Bon, du coup, j'essaie de ramasser ce que j'ai viens de faire tomber. Là, ça va être du sport. Ça va être du sport olympique, parce que là, vu dans la position qu'il s'est foutu, sans forêt. Ah, pour le choper, celui-là, ça va être drôle. Merde! Hop! Et il va glisser. Hop. Alors, là, on va faire une manœuvre. Tracteur. Ah là, les doigts dans le nez. Voilà. On va vite sangler ça avant que ça se barre. Bon, je vais faire une connerie, je vais me mettre en vitesse normale. Tac. Voilà. Tac, tac. Voilà. Et c'est que ça commence à être un joli chargement tout ça. Hein? Bon, c'est vrai, il est pas droit, mais bon, on s'en fout. Hein? C'est pas grave. Tant que c'est dans la... Tant que ça reste dans la remorque. J'ai intérêt d'aller mollo dans les virages. Bon bah du coup, on va aller couper du bois. Hop. Attends, je vais virer, juste virer ça. Ouh, j'ai intérêt de faire gaffe avec mon porte-à-faux. Alors, ils sont où les branches? Tac. Bon, évidemment, il y a la plupart qui restent. Merde. Il y a la plupart qui restent. Qui arrivent dans l'armure quand même. Bon. Tac. Comme ça, tout ça, ça passera au broyeur. Allez, roule ma poule. Hein? Attends. Non, en fait, parce que j'ai pas tout ramassé. Ça, en fait, elles sont toutes restées derrière moi. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Cure-dent ou de cul-de-cache. Viens là, mon petit cure-dent. Merde. Il est où? Il est où? Putain, mais je suis pas aveugle. Je suis pas. Et attends, j'ai pas pété un cap quand même là. Oh! C'est pareil, hier avec mon drone, vous allez vous foutre de ma gueule. Hier avec mon drone, je l'ai essayé de le faire voler pour la deuxième fois. Donc c'est ma, entre guillemets, ma deuxième heure de vol avec. Et j'ai un mal fou en fait à le maintenir en vol stationnaire. Et quand il décolle, il a tendance à partir d'un coup dans un sens. Et tout le temps dans le même sens. Et à un moment donné, j'ai eu quelques rafales de vent. Il n'y a pas moyen que je le retrouve. Bon, ouais, hein, on s'arrêtera quand on le trouvera. J'ai eu un mal fou à... Allez, je perds ma voix. J'ai eu un mal fou à essayer de garder le contrôle un maximum avec, mais à un moment donné, j'ai eu une rafale de vent. Mon drone, il est parti vers des arbres. D'accord. Merde, mais comment on allume les feux, là? D'accord. J'ai eu un mal fou à tenir le contrôle et quand il y a eu une bourrasque,
Le drone est parti d'un coup vers les arbres et quand j'ai fait ce son sur mon drone, enfin sur la télécommande de mon drone, j'ai un bouton qui me permet de le faire poser en douceur sans que j'ai besoin d'appuyer sur l'arrêt d'urgence pour l'envoyer direct au sol. Et manque de bol, le drone, je sais pas pourquoi, il s'est arrêté net et puis il a fait un vol plané par terre. J'ai perdu un morceau de LED. Donc un petit couvercle qui protège les LED de signalisation et ou de décoration, je ne sais même pas si c'est la signal ou si c'est la déco. Du coup j'ai perdu un morceau et un autre morceau de. Et un morceau de protection d'aile. Enfin d'hélice plutôt. Et le truc comique, c'est que j'ai mis un quart d'heure à le retrouver mon bordel. Alors que le machin il est assez gros, hein, il fait quand même ça. Hein. La protection elle est assez grosse. Et ben non, bah moi évidemment c'était sous mon nez, mais je l'ai pas vu tout de suite. Alors du coup, j'ai mis des plombes. Je suis toujours à 5 mètres. Ouais, j'ai mis des plombes à le retrouver. Et ça m'est arrivé au moins deux ou trois fois. Donc du coup voilà, les premiers vols sont assez chaotiques. Je vais essayer de vous présenter quand même le drone avant que je le bousille, hein, parce que à mon avis ça va pas tarder. Parce que vu comment je le fais voler, à mon avis, je pense que soit j'ai un cul monumental et le drone je le bousille pas et j'arrive à en faire quelque chose avec, ou alors j'arrive à le bousiller et puis vous aurez jamais de vidéo aérienne. Mais bon, après il faut que j'arrive à m'entraîner à des moments où il n'y a pas un pet de vent, ce genre de truc là, ça me rendra la tâche beaucoup plus facile parce que là, vu qu'il y avait du vent. Il y avait un peu de vent, même s'il n'était pas très élevé. Arrête. Il était pas très élevé, mais bon, ça suffisait quand même. Ça suffisait quand même à m'emmerder. Ça suffisait quand même à m'emmerder, mais bon. Et comme j'ai pas trop de temps non plus pour le faire voler quand j'ai envie, c'est un peu le problème. Quand je peux même pas faire ah chiotte. Donc du coup j'essaie de faire ce que je peux avec, mais bon je pense que vous aurez pas forcément cette année des vidéos aériennes avec le drone. Je vais essayer de vous en faire une quand même si j'ai encore du mal à le manipuler. Bah, là j'en suis vraiment à mort, c'est vraiment très compliqué pour moi, mais bon je vais essayer de vous en faire quelque chose quand même. J'ai bien dit je vais essayer, c'est pas sûr, mais on va y arriver, hein. Après, si tout le monde y arrive, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. N'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Oh, je sais même pas où je pose le bois, je vois rien. Bon. Et après, au pire, je m'en débarrasserai plus tard. Alors, on va avancer un peu. Bien. Sans se prendre quelque chose au passage. Tac. Donc en tout cas, j'espère quand même que le peu de vidéos irréelles que je vous ai fait pour l'instant vous auront plu. Je vais essayer d'en faire d'autres prochainement, là, vu qu'il prévoit de faire beau pendant un sacré bout de temps. Je vais peut-être pouvoir filmer un petit peu. J'y vois que dalle. Je sais même pas si
La première vue, c'est bon. Ouais, champion. Je vais pouvoir vous faire quelques petites vidéos, enfin j'espère. Pour ça, il faut que je trouve un sujet intéressant. Pour vous comme pour moi. Parce que après, moi, si ça me fait chier, je vois pas l'intérêt de le faire. Et là, prochainement, il y aura des patates qui vont être faites. Il y aura pas mal de choses qui seront faites dans le secteur ici. Donc je vais pouvoir vous faire quelques petites vidéos assez sympas. Quitte à en tourner plusieurs dans la même journée, je vais m'y essayer. Je vais m'y essayer, mais ça c'est moins sûr. Parce que généralement quand je fais une vidéo, je vous la monte le soir même. Attends, les coups, j'ai pas réussi à passer. Je vous la monte le soir même et en général, soit vous l'avez le soir même la vidéo, ou alors vous l'avez le lendemain matin de bonne heure. Parce que genre, en général, je me lève pas tard, donc au moins que si je suis vraiment claqué suivant ce que j'ai fait, au moins que je suis vraiment mort et que je me lève à midi. Mais dans tous les cas, vous aurez des vidéos très relativement rapidement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et comme j'ai eu du matériel aussi tout neuf, bah ça va me permettre aussi de vous faire des vidéos un peu plus de meilleure qualité et surtout de plusieurs plans en même temps. Donc je vais essayer de vous faire sur des scènes, je vais essayer de vous faire une division de cam entre guillemets. Donc sur l'écran vous aurez plusieurs vues en même temps. Je vais essayer de le faire. C'est pas sûr que j'y arrive, mais je vais essayer quand même. Parce qu'au montage c'est assez chiant à faire. En montage, c'est assez casse-couille à faire. Et moi, je suis toujours pas aussi doué. Tu tombes quand tu veux. Mais ça fait un petit moment que je pense à vous faire ce genre de truc-là. Je sais pas trop si ça va vous plaire. Donc au pire des cas, vous me le dites dans les commentaires pour si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, bah, c'est pas grave. Et je le ferai quand même. Et puis je verrai bien de toute façon au niveau de l'audience si ça marche ou pas. Si ça marche, même mieux. Si bien ça va mieux marcher que vous serez plus nombreux à venir voir ces vidéos-là. J'espère. En tout cas. Hop. Ah, il va pas tomber le jeu. Putain, foiré. Bon, normalement, je peux le pousser. Sauf qu'il soit à peu près à la même hauteur que l'autre. Voilà. Alors l'état, je vois pas du tout ce que je fais, donc à mon avis ça va être pire que dégueulasse. Un peu comme ça. Hop. Donc avec un peu de bol, je vais couper ce qu'il faut pour charger le dernier camion. Je vais essayer de vous couper ce qu'il faut. Merde. Pour le dernier camion, et on va charger tout ça et on va pouvoir aller vendre. Tac.
C'est vrai que sur farming, pour l'instant, on n'a pas eu en mode, on n'a pas eu trop. Je pense que je devrais avoir assez pour changer le dernier, je pense. C'est vrai que je suis assez déçu en mode forestier. Pour l'instant, on n'a vraiment pas grand-chose, malheureusement. Bah, moi, je dis en mode, on va dire correct, non buggé. Ça, il n'y en a pas trop, malheureusement, pour l'instant. Après, j'ai pas été voir aujourd'hui, mais on verra bien avec un peu de bol. Tout à l'heure, quand je vais aller voir, c'est là que je vais trouver ce que je veux. Parce que j'ai une petite idée de, enfin, une petite idée de continuité de cette série-là qui va vous permettre de changer un peu du coupage de bois, ramassage, chargement, vendre, etc. C'est vrai que ça devient extrêmement casse-couille. À force, même moi, je commence à en avoir marre. Donc, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait plus de matériel forestier qui sort, histoire de vous proposer un contenu un peu plus intéressant. Parce que même j'ai remarqué en nombre de vues, si je fais un petit contrôle Windows. Sur le dernier épisode, on est monté à 5 vues. Donc sur l'épisode 15, donc là on est sur l'épisode 16. J'ai remarqué qu'il y a de moins en moins de vues, donc je pense que ça veut surtout dire que vous commencez à en avoir à ras le cul. Et chose que je peux comprendre, vu que bah, c'est tout le temps la même chose depuis quelques épisodes, je fais que ça, je fais que ci, je fais que ça, c'est vraiment très casse-couille. Donc je vais essayer de trouver ces modes-là, je vais passer une jour, je pense que je vais passer la journée à geeker sur mon bordel, comme dit un certain de mes potes. Je vais faire un petit clin d'œil à toi, mon ami, que je connais bien, que j'ai eu au téléphone ce matin. Hein? Le geek, il t'emmerde. Donc voilà, je vais essayer d'y passer la journée. Vu qu'il fait prévoir des températures assez importantes, je vais éviter de me choper un coup de bambou. Donc du coup, je vais me consacrer à ça. Je vais aussi essayer de vous trouver des nouvelles chansons pour les lives, hein, parce que ça fait un moment qu'on a les mêmes. Et je commence à en avoir un petit peu marre d'entendre les mêmes. Donc ça, je vais y faire aussi. Et tant qu'à y être, je vais essayer de programmer la petite nouveauté de fin de semaine. Donc, est-ce que ça va vous plaire? Oui ou non? Ça, on verra bien. On verra bien. C'est un jeu, je m'en suis jamais servi. Je ne le connais absolument pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est un jeu gratos. Donc, ce jeu-là va remplacer Warships. Donc, qui était jusqu'à présent tous les vendredis, donc ça va remplacer ce jeu-là. Merde. Donc, ça va remplacer ce jeu-là le vendredi. Et je vais aussi également essayer de m'organiser pour préparer une partie à bout. Parce que vous avez été quelques-uns à venir me le demander en live. De venir jouer avec moi. Donc, je vais essayer de vous préparer ça. Donc, déjà le planifier. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, je vous invite à me rejoindre sur le Discord. Je vous invite à me rejoindre sur mon Discord, donc qui se trouve dans la description. Je le répète encore, ça vous ouvre une page internet. Le lien vous ouvre une page internet. Donc évidemment, il n'y a rien de payant. Ça vous ouvre une page internet qui vous propose de rejoindre un serveur. Vous cliquez sur le petit bouton vert, rejoindre le serveur. Vous allez le rejoindre automatiquement. Après, si vous êtes sur PC ou même sur téléphone, etc., et que vous n'avez pas l'application, il va vous proposer de l'installer. Donc, vous n'avez rien à craindre, à part vous bouffer un peu de place sur votre téléphone ou sur votre PC, vous craignez rien de plus. Hein, normalement, suivant où, enfin, si vous passez par mon lien, normalement, vous n'êtes pas sujet à vous faire pirater entre guillemets, à bouffer un virus, comme sur beaucoup de liens, enfin beaucoup moins qu'avant, mais vous aurez beaucoup moins de chances de vous taper un putain de virus à la con en allant télécharger sur comment ça marche ou une connerie comme ça, ou sur net.com, les sites de téléchargement de plateforme. Ces sites-là, il faut s'en méfier. Je crois que je vais me déplacer. Ces sites-là, il faut s'en méfier parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. C'est me bouffer un virus. Hein. Pas avec ce PC-ci, mais avec des précédents PC, parce que j'en ai pas eu qu'un, évidemment. Ça m'est déjà arrivé de me bouffer quelques petits virus. Hein.
Et ces petits cochons-là, j'étais obligé de soit l'envoyer soit l'envoyer en réparation, ou alors carrément réinitialiser le PC, voire même changer carrément la carte mère. Bon. Ça, c'est encore plus simple. Attendez, je me concentre juste 2 secondes. Que j'arrive à choper les deux. Voilà, je les emmène plus loin. Voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord. Le lien est 100% gratuit, etc. Vous connaissez le refrain maintenant. Je vais pas me répéter 50 000 fois non plus. De cette façon-là, vous allez pouvoir, comme je le répète dans beaucoup de vidéos en ce moment, vous allez pouvoir déjà savoir quand est-ce que je live. Vous allez pouvoir savoir quand une vidéo sort, donc à la seconde où elle sort, même des fois avant que la vidéo sorte, juste quelques secondes avant, vous avez déjà la notif. J'ai remarqué ça sur le Discord. Après, est-ce que c'est moi qui ai la notif avant les autres? Je sais pas. Ouh, ça va partir en couille cette histoire. Décidément, je crois que les morceaux de bois aujourd'hui là, c'est des savonnettes. Hein. Aïe, aïe. Hop. Donc du coup je vous y invite et vu que j'ai en vue de vous faire une vidéo, enfin une vidéo, un petit live à bout, donc un soir ou une après-midi quand vous êtes dispo, vous faites chier ou des journées comme aujourd'hui, il fait beaucoup trop chaud pour sortir, bah je pense que je le ferai. Donc après je vais bien sûr je vais en parler dans le canal général. Donc l'annonce elle sortira je ne sais pas quand. Pour ça il faut que je m'organise. Parce que naturellement, vu que tout ce qui est mode, ça va être ultra casse-couille. Parce que vous n'avez pas forcément les mêmes puissances de Dell, etc. Certains sont sur la DSL pourrie. Comme moi j'ai pu avoir auparavant, c'est-à-dire que des fois la DSL c'est pas un cadeau, loin de là, et moi je fais toujours les chargements aussi dégueulasses. Et bah du coup je pense que je vais faire soit je vais mettre quelques mods, donc bien sûr non modifiés, donc les maps non modifiées non plus bien sûr, parce que j'ai pas l'accord du mappeur, donc comme Hier Irlande, il y en a. Vous avez été quelques-uns à me demander. Vous avez été quelques-uns à me demander à l'avoir. Donc je réponds systématique. Putain, tu fais quoi toi? Bon, ok, tu veux sortir? Non, tu vas sortir. Hop. Tac! Ah oui d'accord, j'ai deux morceaux de bol en fait qui se battent pour le. Bon. Attends, pire. Là à l'instant je viens de vous filer une gerbe, mais pas possible. Généralement quand je fais ça, ça suffit. Non, bon. Hop, on va sangler, comme ça va éviter. On va éviter que ça parte en cacahuète totale. Donc je disais. Je vais pouvoir procéder de cette façon-là. Et bien sûr, dans l'idéal, pour ceux qui voudront me rejoindre en partie. Multi abo, normalement moi ma connexion elle tient, je dis bien normalement, hein, j'ai déjà fait un multi, ça tient même parfaitement bien, c'est juste moi des fois qu'il y a des lags un peu bizarres, mais ça vient, c'est possible que ça vienne d'une map, c'est possible que ça venait de la map que j'ai utilisé, parce que des fois ça peut arriver que chez certaines personnes il y a une map modée qui bug, ça peut arriver que la map elle fasse bugger une personne mais pas les autres. Ça, c'est du déjà vu, c'est du farming, donc c'est pas sûr, il n'y a rien de surprenant. Normalement, je dois avoir un tas de temps devant moi aussi. Marche arrière. Tac. Donc, dans ce cas-là, au pire, dans la soirée, de toute manière, ou dans la journée, on aura tout notre temps, hein, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Au pire, s'il y a une map qui déconne. Cette map qui déconne, j'arrêterai ce serveur-là parce que moi c'est pas des serveurs dédiés, je loue pas de serveur parce que tout simplement j'ai pas les moyens. Voilà, hein, je suis pas Crésus. Je suis pas Crésus donc je peux pas me permettre de louer ça, surtout que ça, enfin, après ça coûte pas une fortune non plus, mais
Voilà quoi, c'est un budget à dégager tous les mois, et puis si c'est pour que je joue avec vous qu'une fois par mois ou une fois tous les 6 mois, ça vaut pas le coup. Surtout que je joue en permanence quasiment tout seul maintenant, actuellement. C'est pas que je veux pas créer une team, c'est que pour l'instant j'ai pas trouvé chaussure à mon pied, entre guillemets. Donc il y a déjà eu quelqu'un, mais cette personne-là, j'ai perdu complètement contact avec lui, avec cette personne-là, donc du coup. Voilà, autant pour l'instant, je suis aussi bien tout seul, je peux tourner quand j'ai envie, il n'y a pas de quand est-ce que tu es dispo, est-ce qu'on peut tourner, etc. Je n'ai pas ce genre de problème-là, donc déjà pour moi c'est déjà une bonne nouvelle. Entre guillemets, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'à certains moments, c'est vrai que ça pourrait être cool de jouer à plusieurs. Mais bon. Aussi bien, un jour, je trouverai peut-être quelqu'un qui sera. Qui correspondrait entre guillemets à mes attentes, qui sera à peu près les mêmes, qui sera à peu près dans les mêmes délires que moi, parce que vous êtes quand même assez nombreux, même si vous n'êtes pas si nombreux que ça, mais y a quand même, vous êtes quand même quelques-uns être relativement jeunes, donc moins de 18 ans bien sûr. Il y en a quelques-uns, je dis pas tous, mais quelques-uns. Bon, ici je crois que c'est bon. Et moi je commence à faire du n'importe quoi avec là. Attends une minute, j'ai un gros problème. Non, c'est juste moi qui parano. Hop, hop. Donc du coup, voilà. Donc si vous voulez jouer avec Bibi, je recommande quand même le micro parce que à écrire, c'est casse-couille. Sachant que moi et l'orthographe, ça fait deux, donc vous avez une chance sur 1000 pour me comprendre quand je vous écris. Ou alors c'est vraiment des phrases très simples. Mais bon, moi je suis pas du genre à faire des textes de 50 km. Donc c'est pour ça que je vous demande d'avoir le Discord au minimum. Déjà pour discuter en vocal, c'est beaucoup plus agréable. Bien sûr, il y aura une modération qui sera là normalement. Ou alors de toute façon, le modo ça sera moi. De toute manière, j'aurai accès sur le serveur. En permanence, donc le premier qui soit qui fait une connerie ou qui vient foutre le bordel, ça c'est clair, c'est ban direct. Je vais pas chercher à comprendre, c'est ban direct et il ne pourra absolument plus jamais revenir sur le Discord. Parce que moi, les gens qui foutent le bordel, je ne supporte pas ça. Bon, à la limite, après, si c'est rond pour faire juste pour faire un petit peu chier, rien de méchant. Bon, à la limite, il va juste se prendre un ban de 24 heures. Le pire, c'est ça, c'est pas grave, hein. Mais bon, après on n'en est pas là. De toute façon, après les punitions, c'est le premier qui veut s'y tenter, qui veut s'y le premier qui veut s'y risquer, bah il aura le droit et puis c'est tout. Et autrement, bah ça devrait être tous. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc bien entendu, n'hésitez pas à partager le contenu qui vous plaît. Hein? Quand je suis en live également, n'hésitez pas à partager les lives. Comme ça, bah, vous avez plus de mon avenir, vous serez plus nombreux, etc. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Même en partie, par exemple, quand je ferai des parties à vous, des parties abonnées, donc exclusivement avec vous. Donc exclusivement avec vous. Déjà, ça pourrait être plus sympa d'être à 5 ou 6 plutôt que de se retrouver à 2 ou 3. Bon, déjà, au 2 ou 3, ça sera déjà très sympa. Ça, c'est sûr. Mais se retrouver à plusieurs, ça peut être très sympa, comme par exemple faire une multi-ferme ou ce genre de conneries-là. Faire un peu comme dans la vraie vie. Celui-là, je vais le ramener avec les autres. Comme ça, je vais les retrouver. Parce qu'en fait, oui, les petits morceaux comme ça, je me dis, c'est bizarre, là-bas, j'en ai quasiment pas. Oui, c'est normal, ils sont tous là. Je les ai tous ramenés par là. Donc il faudra que je me motive, soit à les prendre dans le porteur ici, et les ramener tous par là-bas. Hop. Tac. Donc du coup là, on va les balancer ça dans le porteur. Attends, je pensais avoir... Putain, j'ai un porteur pile poids. Donc ouais, j'aurais pas tout à fait assez pour charger le camion en entier, mais bon, c'est pas grave. Vu le poids qu'il y a déjà dedans, à mon avis. Ah mais si, j'ai encore un tas là. Ah bah j'ai encore 2 tas là. Ah bah si, largement un porteur. Ouais, déjà j'ai balancé ça moi. Pourquoi tu m'emmerdes toi? Ah, il y a une pointe qui s'est fait. Bon. Passer par là, c'est... Putain, mais décidément.
Ça m'a fait drôle. Oh, mais des... Oh la vache, putain, ici, des morceaux de bois dans tous les sens. Mais ce qui est chiant, c'est que ceux-là, je peux pas les couper, en fait. Ça, par contre, c'est moins cool. Au début, je pensais qu'on était... Qu'est-ce qui me fait chier, là? Non, t'es sérieux, là? Voilà. Au début, je pensais que je pouvais les ramasser, les couper, etc. Faudrait que je m'achète une dessoucheuse. Ah non? Si, oui, c'est une souche. Faut que j'achète une dessoucheuse pour dessoucher tout ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai raconté encore comme connerie? Je sais plus. Oh merde. Ah, j'ai un trou. Ah, c'est pas mal ça. Alors, faut pas que je me mette trop près. À chaque fois, j'ai toujours tendance à me mettre beaucoup trop près. Hop. Ah bon, on a 35 minutes. Ouh, ça va être chaud pour moi. Je pense que ouais, je balance ça dans le porteur et puis on va les vendre. Hein. Tant pis pour ce qui reste. Hein. De toute façon, le camion, il y en aura d'autres. Je sais plus ce que je vous disais. Ah, ça, c'est pas mal. Allez, bon. Je vais pas me faire chier. Putain. Hop. Merde. Voilà. Comme ça au moins c'est rangé. Excusez-moi, je perds ma voix encore. Putain, décidément, je sais même plus ce que je disais. Je sais même plus ce que je vous racontais. Bon, bah, c'est pas grave. Au pire, ça me reviendra, hein. Donc, oui, en plus, on approche des 50 sabots. Donc, je pense que. Alors là, ça je l'ai. Alors, même si j'aurais voulu faire exprès, je n'y arriverais pas. J'aurais pas réussi. À chaque fois que je m'amuse, à chaque fois que ça m'arrive, je le fais jamais exprès. Mais quand je veux le faire exprès, il paraît que ça marche pas. Un peu pointu, hein, quand même. Hein. Alors, on va essayer de le pousser. De le pousser du bon côté sans le faire tomber du mauvais sens. Et c'est qui tient en plus? Ah putain! Bon bah tant pis. Hop. Paf, 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 paf. Allez, on tasse, on tasse, on tasse, on tasse. Voilà. Donc oui, on approche des 50 abonnés. Donc peut-être, je dis bien peut-être, hein, que je ferai le live Habbo, spécial Habbo. Pour les 50 abonnés, donc pour le 50e, à condition qu'il reste, bien sûr, parce que si c'est pour qu'il y ait des abos le lendemain ou juste après le live, ça, moi ça m'intéresse pas. Mais bon, après, de toute façon, ça je peux pas le savoir à l'avance. Donc, je vais, quand j'aurai le 50e abo, quand le 50e abo s'abonnera, donc au moment où je le verrai, aussi bien je serai même pas là. Donc, je risque pas de crier en vidéo, le 50e est là, etc. Live à beau prévu. Non. Mais par contre, la vidéo, oui. Mais grand, ça, vous le verrez bien. Ça, vous le verrez par vous-même. Mais grand, ça, j'en sais rien. Après, c'est à vous de voir. Plus vous partagerez, plus il y aura de monde qui verra. Et plus il y aura de geek, plus ça va être comique. Oh, tiens, jeu de mots. Je l'ai pas fait exprès. Et Sophie, chope ma gueule, please. Thank you. Allez, fais pas de conneries, GG.
Faut toujours que je fasse des boulettes, moi. Bah, c'est pas le forestier boulet pour rien, hein. Il est où le tronc? Il y a le tronc. Le gros tronc! Alors, à mon avis, vous devez entendre. Les joies du de vivre en aglo. Il y a toujours des sons pour Lyon. Bon, en plus, j'ai les fenêtres ouvertes, comme ça. Mais bon. Hop, hop. Je sais même pas l'heure qu'il est. Il est déjà midi. Ah, bah, c'est pour ça que je crève la dalle, moi. Donc oui, aujourd'hui, je tourne assez tard. De toute façon, vous pouvez voir facilement à l'heure que je tourne. Vous avez juste à regarder en haut à droite de votre écran. Si j'ai rien mis devant, normalement, vous voyez l'heure que je tourne. Donc ça vous permet de ça vous permet de vous donner une idée. À quelle heure je me mets à bosser, entre guillemets. J'en ai marre de faire des conneries, petit. Mouais. Je te sens, Germaine. Alors celui-là pour l'attraper, je sens que je vais rigoler. On va essayer de tout petit pousser sans faire conneries. Alors moi et ma délicatesse, c'est juste mortel. Voilà. Tac. Donc à mon avis, je pense qu'on va même dépasser. Exceptionnellement, on va dépasser le temps de vidéo parce que je vois que je suis déjà à 40 minutes. J'ai toujours pas déchargé mon bordel là. Non, ils sont pas sanglés. Oh l'arnaque! Ah, les grimes qui sont au-dessus sont même pas sanglés. Ah ah. Bon, bah, il y aura du triage à faire. Autrement, je sens que la moitié va. Ouais, mais si j'arrive à prendre des plus d'une grume aussi à la fois, ça serait cool. Non. Je pense qu'il commence à. Le jeu, il commence à pas kiffer en fait. Le jeu, il commence à tout simplement pas kiffer. Hop là, allez, lancer de rondin, youhou! Et il faut que je le pose exactement comme j'ai posé l'autre. Et c'est pas un champion ça? Hop. Ah mais c'est que j'ai bougé! Attends, le tronc est long, on va juste le virer. Celui-là, une fois qu'il sera enterré, après, ça va être une galère. Hop, donc on est déjà à 43 minutes. Tac, parce que... Bon, de toute façon, je vais faire exprès de dépasser, parce que autrement, c'est bon, ça va vous faire trop au moins 3 vidéos où je fais que couper et charger. Donc pour ceux qui l'ont compris, ça, il me faut au moins 3 vidéos pour charger un camion. Non mais t'es sérieux là? Voilà. Alors normalement je dois avoir un tronqué de peur. Là. Voilà. Hop. Donc après, je vais m'amuser à faire le macaque sur le camion
pour charger ce que tout ce qu'il y a partout là. Hop, alors toi mon poteau, je vais te dégager quitte par là. Hop, c'est bon, je te largue là. Alors, du coup, ici on va faire le tri sur le camion parce que apparemment tout ce qui est en haut, ça n'a pas pris sous la sangle. Donc c'est juste moi qui google qui est pas bien sanglé. Hop, on va après je vais remonter dans le camion voir si ça sangle pas autrement. Je suis pas salty. Bon bah ça fait déjà un bon camion là. Là, il y a du fric là-dedans, moi je vous le dis. Tac, voilà. Hop. Donc. LL. Ah non, ça sent pas. Oh les poules! Bon, bah, c'est pas grave. Ce qu'il y a au fond, ce qu'il y a au milieu, je vais le balancer. Alors, ce qu'il y a là, je vais le balancer. Bah pourquoi je veux les sangler? Voilà. Donc la première vue. Celui-là, il est pas non plus. Tac. Donc c'est possible pour aller plus vite que de temps en temps. Je m'éclate, bon, ça va être bon. Que de temps en temps je m'éclate à prendre les rondins à la main. Voilà. À prendre les rondins à la main. Tout simplement pour gagner du temps. J'ai pas de feu à l'arrière. Oh l'arnaque! Bon, c'est pas grave. Pour gagner. Pour gagner. Autant, il faut que j'ai un tas de bouche juste au loin. Donc, oula. Eh, c'est quoi? F. Allô? Hop! Ça va vous faire le screen de la miniature de la vidéo. Donc bien sûr, on va aller vendre le camion. Le camion, je vais le laisser là-bas. Donc on le ramènera pour le prochain épisode. Tu m'étonnes avec ce que j'ai derrière. Par contre, j'ai intérêt d'y aller mollo dans les virages, moi. Et d'empêcher les canons. Hein? Il est pas joli, mon camion. Mon planétaire, pas un planétaire, si c'est un planétaire. Normalement, ce genre de camion-là est prévu pour avoir des remorques beaucoup plus grosses. Et je crois qu'ils l'ont chié pas mal déjà. Alors, je ne sais pas où je vais, les amis. Donc, on va où on va. Ah si, on est sur la bonne route. Dégage la bouche. Bon, normalement, je suis pas censé faire ça, mais c'est pas grave. Dégage la bouche. Ah, fous-moi la paix. Ok, en plus, elle pique cette garce. La vache. Alors, il me semble que c'est pas là qu'il faut vendre. Est-ce que j'ai un klaxon? Oh. Ouais, ça fait la musique. Excellent. Donc du coup, il faut que je me fasse marche arrière par là.
Tac. Allez. Vous êtes prêts? Hop! Ah, raté. Bon. C'est mieux de se foutre direct sur le trigger. Tac. Évidemment, il y a toujours quelque chose. 66 000. Bon, la vache. Ça fait du pognon, tout ça. Hop. Attends, c'est pour finir. Hop. Allez, 15 000 de plus. 108 000. Il est rentable, le camion. Hop, je vais me trouver un petit coin pour me garer. On va se ranger par là. Oula, 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 putain, il me fait que bizarrement le camion. Hop. Tac, voilà, touc. La guirlande. Le petit coup de klaxon. Voilà. Voilà, ça fait du bien, c'est quand il s'arrête celui-là. Bon, bah, du coup, voilà, les amis, je vais vous dire la prochaine pour d'autres vidéos. Là, ça fait 51 minutes, hein, donc on a un peu débordé de 5 minutes. Bon, bah, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, hein. Donc, du coup, moi, je vais vous dire à la prochaine pour d'autres aventures. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, etc. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, moi, je vous dirai ciao. Ciao!